Génération Digitale. J'espère que vous vous portez bien en ces débuts d'année 2011 et que vous profitez pleinement des soldes. Et bien aujourd'hui, nous allons découvrir et pour certains redécouvrir un personnage, un mythe qui a été adapté, je pense, sur toutes les plateformes qui puissent exister. Ce personnage s'appelle Batman. Donc, Batman est un personnage vraiment ancré dans le paysage vidéoludique des années 80 et 90. D'ailleurs, pas mal de titres ont rendu hommage à l'homme le plus riche de Gotham City, dont certains sont très bons et d'autres plus anecdotiques. Je vais vous présenter l'une des plus belles réussites de cette licence Game Boy. Batman sur Game Boy est un jeu d'action plateforme s'inspirant du film Batman sorti en 1989. Dans ce jeu, 6 niveaux sont disponibles, dont 2 avec des phases de tir que je trouve d'ailleurs pas mal. Comme toujours, Batman dispose de nombreux gadgets pour faire face au vilain Joker. C'est parti mon kiki. Bien évidemment, Batman, on se retrouve dans la rue de Gotham City. Écoutez-moi ce thème, quoi. Ça a bercé mon enfance et l'enfance de tous les gamers que nous sommes. Donc voilà. Bon, Batman, il a niveau gameplay, il est vraiment très maniable, comme vous le constatez, droite, gauche, et une maniabilité vraiment d'enfer. Voilà. Cet thème me permet d'améliorer la cadence de tir de Batman. Voilà. Le B, bien sûr, me donne 1000 points. Un Batman vraiment très malléable. Pas de risque. J'ai le droit de me balader sur les toits. C'est comme le Batman. Donc Batman peut se baisser aussi et avancer, s'accroupir et avancer en même temps, tirer. Donc il est assez complet, hein. Niveau mouvement et tout ce qu'il faut, quoi. On n'a pas à se plaindre. Hein. Les bonus se sont variés. Les armes aussi. Du premier stage. Ah oui, là c'est dans l'usine, là, si je me rappelle bien. Il y a un Gugus qui va descendre les escaliers. Ah, ce jeu. Ça a vraiment marqué mon enfance. Hein. Je me rappelle, je le squattais dans ma chambre avec sur Game Boy. Sur Game Boy noir et blanc, bien sûr. Oh putain. Ça commence bien ça et j'ai perdu déjà. Et de deux. Désolé, je viens de faire tomber mon jus de fruits, désolé. Pour m'aider à tenir, hein. Il est quand même presque 5h du matin. Pendant que vous dormez, il y en a qui font des live tests. A l'époque, il me donnait vraiment du fil à retordre, ce jeu, et je galérais vraiment à le finir. Hein. Donc, ah oui, regardez-moi cette arme.
une espèce de boomerang, de chauve-souris qui part et qui revient. Donc ça présage beaucoup d'avantages et puis beaucoup d'inconvénients aussi. À bien viser aux ennemis. C'est la seule faille dans ce avec cette arme. Hein. Regardez, hop, tu peux pas tirer. Faut attendre que ça revienne. Voilà. On se croirait dans Mario Land. Oh putain. Concentration. J'ai jamais su à quoi servait cet item là. Regardez ça. J'ai jamais su à quoi ça servait en fait. C'est une espèce de plan de carte. Et 10 ans après ou 15 ans après, je sais pas à quoi ça sert. Donc on va quand même essayer de le prendre. Voilà. Allez. Troisième stage de fini, je pense. Affronter le Joker, regardez bien. Assez facile. Hein. Se baisser. Pour éviter ses tirs. Ah, il saute aussi. Oh putain. Je joue comme un goré là. A savoir que c'est du live. Hein. C'est du live. Hein. Je me suis pas entraîné pour vous faire part de ces prestations. Voilà, le Joker, bien sûr. On l'a tué, mais il a survécu. Comme dans le film. Appréciez-moi ce thème, écoutez-moi cette musique de fou. En tout cas, moi je suis en train de m'éclater là. Je fais vraiment n'importe quoi là. Voilà. Eh bien, je peux vous dire que ce stage n'était pas vraiment facile, mais bon, le pire reste à venir. Voilà, nous nous retrouvons dans le musée. Avec certains passages, vous verrez, qui me permettront de traverser, traverser le mur, attendez, là. C'est un armada. Ils sont un peu speed, hein. Je sais pas si vous l'avez constaté, les ennemis dans ce stage, ils sont un peu speed, hein. Oh putain. Il faut une bonne arme, j'ai pris un thé, oula, c'est vraiment radical ça. Oh putain, je vais même pas regarder mon énergie. Oh putain. On va essayer de se le faire. Oh putain, il me fait chier ça. C'est bien rythmé quand même ce stage. Avec pas mal d'ennemis qui sont assez rapides. Ça va, faut bien rester vigilant quand même. Voilà, une vie. Ce n'est pas de refus. Voilà, un petit moment de plateforme, on se croirait à Mario. Je dirais pas que ce Batman a le même gameplay que Mario, mais il est aussi bon que... à diriger qu'un Maroc. Je joue vraiment comme un boulet. Voilà, restons concentrés. Voilà. Je pense que c'est un boss, là. Je me rappelle plus trop. Allez. La magnifique Batmobile, bien sûr. Là, si je me trompe pas, je suis dans les airs. Ah oui, voilà. Un stage assez sympa, à la R-Type, un peu, avec deux cadences de tir différents. Enfin, si je ne me trompe pas, le bouton B permet de tirer à l'avant, le bouton A permet de tirer à l'arrière. Donc on peut faire les deux, donc pratique, car les ennemis viennent de tous les côtés, de l'avant et de l'arrière, donc vraiment très efficace. Ah, j'ai plus beaucoup d'énergie en plus. Oh putain, pas lui. C'est une espèce de mini-boss ça. Ah, c'est chiant là avec ses armes.
Regardez ça, regardez ça. Je me fais toucher une fois, je meurs. Deuxième partie. Deuxième et dernière partie, vu que sur les 6 niveaux, il y a 2 niveaux qui se passent dans les airs. Là, c'est le deuxième, un peu plus corsé. On ne s'en rien. On va parler montgolfières. Je sais pas si c'est vraiment les montgolfières. Ça me fait penser à les montgolfières, on parle de ça. On a toujours fait penser aux montgolfières. De Mario Land, le stage dans l'eau là. Exactement pareil. Très dans le tir du boss. Allez, j'ai un peu plus d'énergie que tout à l'heure, donc je pense avoir un peu plus de chance pour battre cette enfoirée là. Yes! Putain, j'y croyais pas, j'y croyais plus. Oh putain. C'est vrai qu'elle était vraiment chiant, quoi. Allez, un petit message du Joker. Voilà, ça me dit rien qui va y aller ici. Hein. Ah, mais c'est quoi cette arme pourrie que j'ai aussi? Ça tire 20 ans après, regardez, je tire. Ah bah voilà, ça c'est un peu mieux, hein. Ça, je me rappelle de mauvais souvenirs, j'espère que c'est pas le stage que je déteste le plus. Hein. Allez, comme dans tout bon vieux Mario, on court. Un stage pas très évident. Je tiens à vous signaler. Il y a combien de suisses sous coupe là, putain. Allez, premier stage. Fini. Oh putain, j'aime pas quand c'est comme ça. J'aime pas quand c'est comme ça. Oh putain. Donc je me prenne une bonne manette Super Nintendo que je branche sur le Mac. Parce que la boîte directionnelle. La manette Xbox n'est vraiment pas très évident. Ça me plaît pas ça. Ça me plaît pas. Oh putain. C'est impossible de passer ce stage. Il est impossible de passer ce stage quoi. 5h du matin, je commence à être fatigué là en plus. Oh putain, mais j'aurais pris le cœur là, j'aurais un peu plus de vie là, oh putain. Oh ça me fait chier, sérieux, il est 5h34. Je sais pas à quelle heure vous avez regardé cette vidéo, mais en tout cas, pendant que vous dormiez là, moi je suis en train de tester ce Batman. Putain, mais cette arme aussi, quand regardez la cadence de merde, oui. Oh putain! Mais c'est quoi cette putain de manette Xbox là, sérieux? Vivement que je m'achète ma manette Super Nintendo là, sérieux. Putain, la croix directionnelle c'est vraiment infernal. Allez, vas-y, c'est ça, c'est la fête au village, couche-moi. Voilà, c'est la fête, voilà.
Oh putain, là ça y est. Putain, mais quel idiot quoi, Putain, mais c'était flagrant, ça se voyait, je pouvais pas passer. Et moi, comme un con, je continue. Putain, tire dessus, il met en pas. Allez. C'est majestueux, c'est fantastique, c'est fabuleux. C'est fabuleux, voilà, y a pas de mots pour décrire ça. Quoi. Mourir comme ça, comme une merde. Oh putain, mais regardez-moi ça, mais qu'est-ce que vous voulez faire, quoi. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? Bon. Là, franchement, j'avais marre de dire, quoi. J'ai pas envie de faire ça en deux, faire une deuxième partie, Non, c'est bon, je vais m'arrêter là et ouais, j'espère que je vous ai montré quand même que ce jeu en valait vraiment la peine. Même si j'ai pas su vous montrer tous les stages, tous les 6 et les six niveaux qu'il y a dans ce jeu, donc voilà, je suis désolé. Là, je suis vraiment fatigué, il est 5h43 du matin, donc je ne sais pas à quelle heure vous allez regarder cette vidéo. Là, je suis vraiment fatigué, j'ai envie de passer à autre chose. Donc, en tout cas, personnellement, ce jeu est vraiment un bon jeu, un très bon jeu qui a vraiment bercé mon enfance. Et ça m'a vraiment fait plaisir d'y rejouer. Même si à l'époque, j'étais beaucoup plus motivé à vouloir finir la plupart des jeux. Donc voilà, là ce soir, je suis vraiment fatigué, j'ai pas vraiment la motivation. Donc voilà, peut-être que sans doute, je ferai une deuxième partie. Quand j'aurai la motivation, un peu plus tard, demain, après-demain, je ne sais pas. Donc, je vous remercie d'avoir suivi Génération Digitale. C'était Batman sur Game Boy. À très bientôt. Ciao, ciao.